Brahim, je sais que tu suis le PSG. Est-ce que tu penses que le PSG, on va dire, le titre de champion du PSG est en danger? Qu'est-ce que je me suis fait chier. Et attention, ah, il y a des enfants qui regardent, Brahim. Non, mais la première, oui, ça a été difficile en tout cas de suivre la première mi-temps. Non, elle ne fait plus rêver, il n'y a plus d'éclat, et à part se faire des passes sans arrêt. Franchement, même moi, j'avais envie de dire allez. Va un peu devant, quoi. Et le micro est tombé. Non, franchement, allez, là attends, parce qu'on comprend rien. C'est pas une équipe qui me fait rêver, voilà. Okay. En tout cas, cette saison, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent en venir. Il y a trop de passes. Mbappé manque, qu'on le veuille ou non. Ok, Barcola, il est bon, j'en doute pas, mais quand il n'est pas là, il n'est pas là. Et tu sens que quand il y a Mbappé, franchement, il y a un truc qui se dégage, tout le monde le craint et ça crée des possibilités. Et là. T'es en Mbappé blues, là. Ouais. Ben non, parce qu'en fait, on l'a beaucoup critiqué ces derniers temps et franchement, je pense qu'on est super injuste et malhonnête vis-à-vis de ce grand joueur. Ça aurait été un étranger, on s'astiquerait dessus. Oui, et là, on est dur avec lui. Je ne me relève pas. Non, mais t'avais pas l'air convaincu sur Mbappé, par exemple. Non, parce que en fait, ça démontre aussi que le PSG est enfermé dans un truc où, si tu fais du handball et que t'as personne pour faire la différence et dribbler 4 joueurs, c'est difficile de marquer un but. On a fustigé, il est sorti à la mi-temps, Colomouani, mais quand t'es entouré de 5 joueurs quasiment dans 1 mètre carré, c'est compliqué de marquer un but. C'est juste simple et logique. La problématique, c'est que j'ai l'impression que le logiciel de Luis Enrique, il y a pas grand chose d'autre, quoi, en fait. Il y a pas d'attirer, peut-être, pour essayer de créer de la différence et des espaces où les joueurs peuvent s'incorporer. C'est du handball. Et c'est vrai que c'est gonflant. Et après, faut aussi souligner que Nice a complètement compris. Francaise a fait un boulot remarquable parce que quand ils ont enchaîné, quand on fait des enchaînements, je peux te dire que ça regardait en l'air du côté du PSG et ça avait le tournis. Donc, Moi, j'ai remarqué un truc hier. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont peur, quoi. Non, t'es cantonné à l'exploit individuel. Ah, mais c'est t'es cantonné à ça. Il n'y a pas d'autre issue pour marquer un but. Et tu viens arriver à un but marqué. Alors, on compte la passe d'aide Dembélé parce que c'est bien, mais tu viens à marquer un but sur Nuno Mendes qui frappe du droit contré. Je veux dire, c'est Mendes, il n'a pas le droit de monter. Oui, ça, c'est assez lunaire aussi. Mais au-delà, tu parlais du logiciel. Moi, j'ai peur que l'écart se creuse justement entre Luis Enrique et son groupe. Sur ce qu'ils demandent, tout simplement. Et on entend à droite à gauche que le groupe a de plus en plus de mal à adhérer au projet de Luis Enrique. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que pour répondre à la question que posait Romain, en bas, dans le sud, à 18h, j'ai l'impression qu'il a tout le monde chargé dans le sac. Et on y va les copains. Et la Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, ils ont déjà 4 points. Je pense qu'ils seront à minima barragés. Je nourris vraiment de gros espoirs sur cette phase de Ligue pour Monaco par rapport au calendrier. Il va falloir prendre les points avant les derniers matchs. Mais j'ai de gros espoirs sur eux. Et je vois un groupe. Mais Thomas, enfin les joueurs peuvent un peu prendre des initiatives aussi. Je parlais de Monaco là. Non, mais oui, mais sur Paris, comme je te disais, pour être dans la continuité de l'écart qui peut se creuser. En fait, je peux comprendre les joueurs qui, de temps en temps, et t'as totalement raison, parce que Nuno Mendes, quand il va vouloir y aller, allez, là je prends le ballon, j'y vais. On a mieux de terrain, ou pas un clou. Que ça soit dans un style de position ou un style de transition, je trouve que ce milieu de terrain est beaucoup trop fait par rapport à ce que peut générer. C'est un milieu de terrain qui veut que le ballon face au jeu. Mais c'est yaourt nature, comme dit mon ami Walid, c'est vraiment, le milieu de terrain ne crée rien. Alors il va être propre, mais il va absolument rien créer. Et du coup, les joueurs, en fait, si Dembélé est mis à l'écart parce que il n'est pas d'accord avec Luis Enrique, parce qu'il monte un peu trop ou qu'il a oublié une passe. C'est pas la raison de sa mise à l'écart. Oui. Il est aussi arrivé en retard accessoirement. Oui. Il a aussi. C'est pas parce qu'il a raté une passe qu'il n'est pas dans le groupe. Et Nuno Mendes qui n'a pas le droit de monter, etc. Toutes les prises de position, prises d'initiative, elles sont contrées par Luis Enrique et le staff. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer dans des cases et Luis Enrique est dans un hyper contrôle de son équipe. Thomas, t'es en train de me dire que s'ils font des dépassements de fonction et qu'ils arrivent à marquer des buts, tu crois que Luis Enrique ne va pas être content? Ah ben, excuse-moi, mais en tout cas, de ce qu'on peut entendre, c'est que les brides que peut mettre Luis Enrique dans ce qu'il veut mettre en place, dans l'hyper contrôle qu'il va avoir sur tous les matchs, il y en a plein de joueurs qui en ont ras la casquette. Donc ça va jouer sur leur volonté. Il y a bon dos, Luis Enrique, c'est... Ah, moi, Luis Enrique, je suis descendu du train cette saison. Moi, je trouve que Luis Enrique a bon dos parce que je pense que dans les derniers 30 mètres, la prise d'initiative peut être aussi faite par les joueurs. Bien autant sûr. Sur le calcul défensif. Là, tu parles des 30 derniers mètres. Stratégie défensive. Hier, il y a combien de grosses occasions du PSG dans les 30 derniers matchs hier?
Mais pourquoi Dante, il arrive en zone mixte, il dit bah, « je suis désolé, mais on mérite de gagner, c'est nous qui avons les plus grandes occasions ». Je te parle du processus pour arriver dans les 30 derniers mètres, il est défaillant, et ça, c'est à cause de Luis Enrique pour en tout cas. Est-ce que le PSG est inquiétant, les gars? Le PSG a perdu son côté de leader au détriment de Monaco. Le PSG a fait match nul contre Nice. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes suivre le contenu, si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pas une partie. Alors, le PSG a fait match nul contre Nice. Et, du coup, le PSG a perdu son côté de leader. Le PSG n'est plus leader de Ligue 1. Le PSG a perdu son côté au détriment de Monaco. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que le PSG est inquiétant? Dans ce match contre Nice, c'est Colomani qui est avant-centre. Colomani, pourtant, le PSG a déboursé plus de 130 millions d'euros pour le poste d'avant-centre. Et jusqu'à présent, le PSG a du mal dans ce secteur-là. Et moi, je ne sais pas pourquoi le PSG a laissé partir Osimhen. Pourtant, Osimhen, à mon avis, pouvait faire du bien à ce PSG-là. Osimhen, à mon avis, il pouvait faire du bien au PSG. Pour moi, Osimhen est meilleur qu'un Colomani. Osimhen est mieux qu'un Linkangin. Osimhen est mieux qu'un Marco Asensio. Donc, je ne sais pas pourquoi Luis Enrique a refusé, ou alors les dirigeants ont refusé de se pencher à fond sur le dossier Victor Osimhen. Donc, ce PSG-là, les gars, ce PSG, je trouve qu'il manque sérieusement un avant-centre. Sérieusement. C'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. S'ils peuvent prendre un avant-centre durant ce mercato hivernal, qu'ils le font. C'est vraiment urgent. On le voit très bien. Le PSG joue un football scolaire. Il n'y a pas un mec capable de faire la différence seul. C'est trop scolaire. C'est trop prévisible. C'est trop stéréotypé. C'est trop stéréotypé, les gars. C'est trop lisible. C'est trop lisible. Donc, à un moment donné, lorsque le football devient lisible, il te faut un mec qui va déjouer. Qui va déjouer défense. Le Barça de Guardiola l'avait. Le Barça de Guardiola l'avait. Lorsque le match était trop serré, trop fermé, Messi débloquait le match. Iniesta débloquait le match. C'est bien beau de jouer le tiki-taka. Mais lorsque le match est fermé, lorsque le match est serré, il te faut 2-3 joueurs capables de faire la différence. Et lorsque moi je regarde l'effectif du PSG, pour l'instant, le PSG n'a pas ce joueur-là. Barcola, oui, c'est un garçon prometteur, mais pour moi, c'est encore trop jeune. C'est un garçon qui n'est pas encore capable de gagner le match à lui seul. Luis Enrique, il doit rapidement trouver les solutions pour au moins conquérir la Ligue 1. Imaginez, si le PSG ne remporte pas la Ligue 1, ça va faire tâche. Ça va faire sérieusement tâche. Donc, est-ce que ce PSG-là est inquiétant? Pour l'instant, pour moi, oui. Puisque vu ce qu'on est en train de voir, tu perds contre Arsenal sans rien proposer et tu fais match nul contre Nice. Pour moi, c'est vraiment inquiétant. Luis Enrique doit rapidement trouver les solutions pour pouvoir conquérir à nouveau les supporters, puisque les supporters commencent déjà à s'enlacer et à juste titre. Lorsque tu ne gagnes pas les matchs, les supporters s'enlacent très très vite. Donc, ce PSG-là, à mon avis, pour l'instant, c'est inquiétant. Luis Enrique, il doit rapidement trouver les solutions. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Du coup, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.